Et oui, comme tu l'as vu, une véritable inondation sur ce mariage. Mon matériel était véritablement en danger. Même moi, j'aurais pu faire Claude François parce que je pataugeais littéralement dans l'eau. Allez, je vous explique tout de suite tout ce qui s'est passé juste après le nouveau générique. Alors oui, un truc incroyable. En 15 ans de carrière, je n'ai jamais vécu cela. Et pourtant, début août, j'ai déjà eu une petite inondation, mais là, ce n'était rien comparé à ce qui m'est arrivé ce week-end. Alors, je vous explique. Tout simplement, déjà, direction le château de Percé, dans le 89, dans Lyon. J'arrive là-bas, déjà, superbe entrée, grand portail, des drapeaux, un beau parking, un joli jardin, un bâtiment très joli et juste sur le côté, en fait, une véritable salle de réception qui a été créée au milieu du parc, enfin au niveau des arbres, vraiment très joli, c'est-à-dire que tout est en armature métallique. D'ailleurs, on aurait cru presque que c'était de l'armature de la Tour Eiffel, tellement que c'était bien fait, tellement joli, avec un parquet, trois beaux lustres, la clim, enfin voilà, vraiment super beau. Donc j'ai la mariée qui, la veille, m'envoie un petit SMS pour me dire « Luc, il faudra que tu t'installes sur le côté gauche ». Donc quand j'arrive, bah effectivement, je vois à droite, il y a toute une zone pour le photobooth, il y a l'urne, livre d'or, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et donc sur le côté gauche, bah, emplacement libre, donc je me dis « c'est bon, nickel, j'y vais ». Alors, sortie de secours, donc je me mets un petit peu en décalé, hein, forcément, question de sécurité. Hein. Et puis après, bah, je réfléchis un petit peu comment installer tout ce qui va être jus de lumière et son. Et là, je me dis, si je me mets sur le côté, c'est pas top. C'est peut-être mieux d'être symétrique au niveau du son et des jus de lumière pour bien diffuser en face et pas sur le côté, que ça ricoche, enfin voilà. Donc bah là, forcément, porte d'entrée, je me dis, bah, de chaque côté, je vais mettre ce qu'il faut. Et puis, bah, pour éviter de mettre un passe-câble, hein, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, le passe-câble, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose en plastique qui permet de faire passer les câbles en dessous et que les gens peuvent marcher dessus un petit peu comme on voit des fois sur les travaux de chantier, mais au niveau voiture. Bon, bah là, c'est pour les piétons, c'est le même principe. Mais avec l'armature en fer, en fait, j'avais la possibilité de faire passer tous les câbles en fait en hauteur. Bon, j'avoue, j'ai tiré 60-80 mètres de câbles. Bon, mais en tout cas, voilà, aucun câble n'était apparent, tout était très joli. Et c'est surtout qu'en fait, voilà, c'était très facile pour moi. J'arrive à la fin de l'installation de la soirée, et là, je me dis, bon, bah, il faut installer les enceintes dehors pour le cocktail. Et là, je pose les enceintes, je vais pour les brancher, et l'orage qui arrive. Je me dis, bon, on va rentrer les enceintes à l'intérieur, on va attendre l'arrivée des mariés et des invités, on va voir comment ça se profile. Pareil, le traiteur me dit, on attend, on reste en stand-by, on va bien voir. Et en fait, 5 minutes après, un déluge. Mais quand je dis un déluge, ça a été un déluge. Les mariés sont arrivés, les témoins sont arrivés, les invités sont arrivés trempés. Ils sont rentrés dans la salle, donc forcément, cocktail dans la salle. Et là, d'un seul coup, regardez. Eh oui, une inondation. Et là, c'est en quelques secondes. Ce que vous venez de voir, c'est en quelques secondes. L'eau, en fait, se propager, avancer. Ça a commencé. Donc déjà, le câble électrique dans l'eau, même s'il est gainé, il n'est pas fait pour résister, pour être immergé pendant de nombreuses heures. Donc là, déjà, hop, on le soulève, on décale, on fait suspendre tout. Tant pis, là, ça devient presque de l'urgence. Et l'eau continue à avancer au niveau des paravents, au niveau de la table DJ, au niveau des sacs, au niveau de tout. Et là, catastrophe. Et là, j'ai eu vraiment, mais une solidarité incroyable. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et vous étiez au mariage, un grand merci de votre aide. Parce que là, en fait, les invités, les témoins sont allés chercher tout ce qu'ils pouvaient trouver. On a trouvé deux seaux, on a trouvé quelques serpillières, des serviettes. Parce qu'en fait, il n'y avait quasiment rien dans la salle. En plus, on a épongé, on a rempli, mais plusieurs fois des seaux. Alors, les seaux, c'est 10 litres d'eau quand même. On a épongé. Il y a même une témoin et après, d'autres témoins qui sont allés dehors. Parce qu'en fait, au niveau de la structure, la tente de réception, il y avait comme en fait des gouttières, sauf qu'elles étaient bouchées par les feuilles. Ils ont retourné. J'ai vu mais une chute d'eau arriver. Ils étaient mais trempés. Et le problème, c'est qu'en fait, la porte de sortie de secours, pour qu'elle s'ouvre ou autre, en fait, eh ben, les joints n'existaient pas, ou en tout cas, les joints s'enlevaient. Et ce qui fait que bah, toute l'eau s'infiltrait. C'est-à-dire que le temps d'éponger, en fait, d'écoper, mais c'était même, ouais, on écopait, et ben, en fait, il y avait autant d'eau qui revenait. Là, ça devenait
très très compliqué. Alors là, dans ces situations-là, il faut garder son sang-froid. Le cocktail avait lieu. Et là, on se dit, bon, comment on fait? Comment on gère? Et là, en fait, d'un seul coup, des témoins, enfin, c'est des invités qui me disent, ils commencent à avoir de l'eau là, de l'eau là, de l'eau là. En fait, ça a commencé à s'infiltrer dans les quatre coins de la salle, au niveau de l'entrée. Donc, au niveau de l'entrée, c'était un tout petit peu, on a pu tout de suite stopper parce qu'il y avait les enceintes, le matériel, les canons à confetti, les geysers, il y avait tout. Mais en fait, tout le reste de la salle commençait un petit peu à s'inonder au fur et à mesure. Et là, je vous assure, c'est la première fois que je fais ça. J'ai pris des chaises et en fait, tous les jeux de lumière, les parlettes qu'on met le long de la salle, ce qu'on appelle vulgairement les lèche-murs, hein, c'est les jeux de lumière qui viennent taper sur les murs, étaient sur des chaises. Pas le choix, question de sécurité. Sauf que là, le problème, c'est que l'eau continuait à rentrer au niveau du stand DJ. C'était le pire endroit, en fait. C'est là où je me suis installé. Et là, en fait, et ben, à un moment donné, ben, voilà, ben, vous allez le voir, ils ont dû mettre et ben, un tapis, des matelas. Alors, je pense que le matelas, il est fichu, hein, il va aller à la poubelle parce qu'il a, mais, il a pompé toute l'eau, mais c'est un truc de dingue. Et au final, ben, moi, j'ai fait toute la soirée avec des chaussures trempées, des chaussettes trempées, mais l'eau était stoppée, on a évité le pire, mais à quelques centimètres près, on a évité vraiment une catastrophe, parce que bon, voilà, vous vous doutez bien, matériel qui prend des coups de jus, ça grille, il n'y a plus rien pour la soirée, mais surtout, c'est qu'il n'y a plus rien pour les autres mariages, le temps de faire jouer les assurances, c'est une catastrophe, surtout qu'en plus, trois coups d'orage, mais trois grands coups, et en fait, des coupures de courant. Et là, je me suis dit, oh là là, la soirée va être compliquée. Et au final, c'est ça arrêté au bout d'une heure. Ouf, tant mieux. Sauf que c'est pas fini. D'un seul coup, j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, est-ce que tu peux faire une annonce pour telle voiture immatriculée dans tel département? Il y a eu une chute d'arbre et la voiture, le pare-brise est explosé. Et effectivement, chute d'arbre. Et en fait, quand on est sorti avec le traiteur même, parce que nous, on avait nos voitures derrière la salle, et c'était donc au niveau du parc, au niveau de la forêt, il y avait des troncs d'arbres, mais enfin, c'est des branches d'arbres, pas les troncs, les branches d'arbres grosses comme ça qui s'étaient cassées partout. Donc, on a eu vraiment, vraiment chaud. Et les arbres, vrai, c'est vrai qu'ils vacillaient. Et on s'est dit, il y en a bien qui va s'arracher. Fort heureusement, non. Et puis bon, au final, on a pu faire la soirée, une belle entrée de salle, des jeux sympathiques, et puis surtout un dance floor où bah, les gens se sont mais déchaînés, tout le monde a dansé, et j'ai eu 80-90% des invités en permanence sur le dance floor. On est allé jusqu'à 4h du matin. Bon, les dernières 15-20 minutes, j'avoue, la moitié des gens dansaient, la moitié des gens étaient en train de débarrasser, de ranger. Mais en tout cas, j'ai eu tout le monde en permanence à danser tout, sur tous les styles. Franchement, juste génial. Et bah, moi, pour vous montrer tout ça, et bah, je vous dis, let's go!
Gangnam Style. Gangnam Style.